do prach. Aucun élément dans le dossier ne permet de dire, et pour cause, que les fonds retrouvés en France sont des fonds qui proviendraient d'un trafic de stupéfiants. Oui, bien sûr, le procès s'est passé équitablement, comme c'est pas généralement en France. Il n'y a aucune difficulté à ce sujet-là. Et le général a pu totalement s'expliquer. La parole lui a été laissée autant qu'il l'a souhaité. Et je pense que c'était une bonne chose pour un homme qui est incarcéré, qui n'a pas vu la liberté depuis aujourd'hui 20 ans. D'un homme forcément affaibli, d'un homme forcément malade, dont il est temps qu'il retrouve la liberté.